Nom de Dieu. Qu'est-ce que t'as à faire cette tête? Tu crois que je l'ai tué? Je viens de le trouver comme ça. Déjà froid. Toi, tu restes là, moi, je vais prévenir police secours.
Mettez-le là. Un accident? Non. Je ne crois pas, non. Aucune trace de sang nulle part. De quoi est-il atteint? Aucune idée. On l'a trouvé dans le parc, derrière un buisson, sans connaissance. Appelez la morgue. Faites ce que je vous dis, madame. Je suis là, étendu, incapable de me mouvoir, de me lever, ni même de remuer, ne serait-ce qu'une main, un doigt. Mais il faut que j'en bouge, il le faut, pour leur montrer que je ne suis pas mort. Il n'a pas grand-chose sur lui, juste un passeport et de l'argent. C'est un Américain. Et quel est son nom? Gregory Moore. Né à Springfield, Illinois, le 5 décembre 1931, citoyen américain. Domicile? Eh bien, je ne trouve pas son adresse. Ah, fais voir. Dans son permis de séjour, ça doit y être. Rue Vodikova au 16. C'est un journaliste. Et à quoi attribuez-vous la cause de sa mort? Simple crise cardiaque. Ah, inscrivez aussi que cet homme était déjà mort quand on l'a transporté ici. Est-ce bien nécessaire, docteur? Oui, autrement la presse est bien capable de nous faire porter le chapeau. Je vous ai dit d'appeler la morgue. Non! Vous ne pouvez pas faire ça! Un caleçon blanc, une paire de chaussettes bandeaux, puis une chemise blanche, un pantalon noir, une montre suisse, une paire de chaussures bicolores. Non mais regarde un peu ça. Elles sont neuves, tu parles d'un gâchis. Je les ai inscrits ou pas, ces gros? Oui, non? Oui, vas-y, là. Tiens pas à me faire voler pour une paire de godasses. C'est quand même bizarre. Il n'est pas froid comme les autres. Au moins, peut-être que quelqu'un lui ferme les yeux à celui-là. En tout cas, il ne faut pas compter sur moi. Exact. On risque pas d'être au chômage. En fait, je dois dormir. Et faire un cauchemar. Aucun de mes sens n'est en éveil. Je devrais avoir froid dans cet endroit. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Seul mon cerveau a l'air de fonctionner. Je dois me rappeler. Voyons. Voyons, je m'appelle Gregory Moore. Ça, je le sais. C'est un point d'acquis, mais pour le reste... Les
les membres de l'organisation démantelée la semaine dernière ne seraient en aucun cas engagés politiquement. C'est du moins ce que leur leader a déclaré aux autorités. Ils maintiennent que leur but est tout autre. Ils certifient que leurs petites réunions occasionnelles n'ont aucun autre but que de discuter sereinement de la situation du pays. Et pourtant... Jacques, son chapeau. La police a procédé ce matin à leur arrestation pour avoir critiqué publiquement les tendances actuelles du gouvernement en matière politique intérieure et internationale. Des médecins les ont ensuite examinés et ils ont été déclarés par eux comme étant malades mentaux. On a ordonné leur internement dans un hôpital psychiatrique pour être soumis aux traitements et aux soins thérapeutiques usités en pareil cas. Il n'a été spécifié aucune limite à leur internement. T'as bien tout noté? Bon, d'accord, salut. À la vie éternelle. Ah, tu vas y goûter bientôt si tu continues à ingurgiter tant de vodka. Oh, ben, je te crois, mais mon heure n'a pas encore sonné, grand sage. Et l'alcool conserve, tu sais. C'est bien connu, ça, non? C'est toi qui souhaites ta santé. T'occupe, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Ah, j'ai rendez-vous ce soir avec la jolie Mira. Le Parctus de Guette, chérie. Une dépêche qui me semble très intéressante, écoutez. Il paraît que cette nuit, en Sibérie, on aurait expérimenté un nouveau type de missile à tête nucléaire. Alors, on l'a fait passer? Non, demain matin. Attendons la confirmation. Ça aurait pu faire un bon article. Quand on a fini, tu me passeras le téléx. Salut, hein, s'il y a du nouveau... On te verra à la conférence de presse du président. Non, j'y vais pas. J'ai délégué mes pouvoirs. Là. Cherchez la femme. Désolé, Jessica, j'avais oublié que lui et toi. J'ai pas le temps. Tu commences à faire des progrès. Quelqu'un d'autre t'a donné des leçons. Ah, je n'ai d'autres professeurs que toi. Oh, j'oubliais. Pour moi? Un cadeau. Chaque fois que nous sommes ensemble, j'ai peur. Mais peur que tu t'en ailles, peur de te perdre. Tu dis des sottises. Pourquoi est-ce que je m'en irais? Et alors que je suis si bien avec toi, et qu'au moins je me languis de toi. Aussi, je ne sais pas, mais j'ai comme le sentiment que notre amour est quelque chose de fugitif, d'éphémère. Je vois. Si un événement extraordinaire allait devoir nous séparer. Oui, sans doute. Tu sais, quelquefois, il m'arrive de ressentir la même chose. Par exemple, quand j'essaie d'imaginer ce que sera notre avenir dans un an, même dans 10 ans, j'ai la sensation de marcher sur un chemin qui ne mène nulle part, d'être ceinturé par des hauts murs qui me cacheraient l'horizon. C'est dans ces moments-là que je ressens le besoin impérieux d'être auprès de toi. Parce qu'il n'y a qu'avec toi que je me sens en sécurité. Durant tout le voyage. Sans s'arrêter? Oh, il a fini par se tenir tranquille, juste avant d'arriver sous le colonel de l'entrée. Monsieur. Heureusement d'ailleurs. La spécialité de notre maison. Nulle part ailleurs vous ne goûterez à vie aussi délicat. On lui fait confiance? Oui. Surtout ne soyez pas inquiète, la caserne de pompiers est juste à côté du restaurant. Madame,
Merci. Monsieur. Aimerais-tu rester ici à Prague? Oui. Aujourd'hui, le monde entier est pris de folie. Pourtant, ici, tout est magiquement si serein. Difficile d'imaginer qu'ailleurs, tout est si confus. Cette ville est la tienne, Grégory. Quelle heure est-il? 4h30. Ah, juste une cigarette. La pomme parfume tes baisers. Il me plaît, tu sais, ton cadeau. Oui, ils sont beaux, hein. Ils appartiennent à une espèce assez étrange. Ils ne font que sautiller au-dessus de l'air, mais ils ne réussissent jamais à voler. Leurs ailes, pourtant si belles, ne servent à rien. À quoi c'est dû, ça? Qu'en penses-tu? Viens donc m'embrasser. Combien de temps est-ce que tu vas rester? J'en sais rien. 3 semaines, peut-être. Et après? Londres. Pour toi, c'est une ville comme une autre. Tu penses que je pourrais venir avec toi à Londres? Alors, je connais un moyen de franchir la frontière. Il suffit d'y mettre le prix. Wolinski, cet avocat marron, tu sais, il peut nous aider, mais le bénévolat n'est pas son genre. Pour son aide, il faudra payer. Ce sera très difficile, j'ai pas d'argent, tu le sais. À moins que je ne m'acquitte d'une manière qui soit plus en rapport avec mes talents, si bien sûr tu veux bien. Eh bien, je... C'est Jacques. Greg. Mon chéri, tout a l'air si facile pour toi. Non. Seulement très important. Non, attendez. Personne d'en ne voudra m'écouter. Les souvenirs me reviennent peu à peu. Alors, je vais peut-être arriver à comprendre. Mais comment leur dire que je suis vivant?
Je crois. Si au lieu d'embrasser la carrière journalistique, vous étiez entré dans la police, nos effectifs auraient une des femmes les plus belles de ce pays. Le commissaire est un homme de goût. En fait, mon tout premier désir fut d'être banquier. Décidément, ce cher Yenkov nous étonnera toujours. Vous ne croyez pas, Jessica? Mais où m'as-tu emmené, Greg? Au musée de cire, on dirait. Tous ces gens sont les personnalités les plus importantes de presque toute l'Europe. Politiciens, banquiers, dandiers, homosexuels notoires, ça t'intéresse? Non, merci. Bonsoir. Ah, bonsoir. Lui, j'ai l'impression de le connaître. Franz Tibor, le pianiste. Ah. Bonsoir. Heureux de vous voir. Moi aussi. Ah, voici Mira Sargon. Mademoiselle est une compatriote. J'avoue que jamais je m'en serais douté. Naturellement, vous n'êtes pas sans savoir que Grégory ne sera bientôt plus des nôtres. Non, car elle m'accompagne à Londres. Nous comptons beaucoup sur vous, mon cher, pour nous y aider. J'ai toujours eu le sentiment que la fonction de reporter était sans doute pour une femme un métier plutôt difficile. Non, au contraire. La principale raison, c'est que toutes les portes s'ouvrent devant elle. Les femmes savent obtenir beaucoup de choses. C'est évident, chère madame, qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Je dois avouer que quelquefois vous vous y êtes laissé prendre. Ah, si toutes les femmes étaient comme vous, Jessica, je crois bien que je m'y laisserais prendre aussi. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je vous en prie. Laissez-moi donc vous introduire auprès de nos amis. Cela ferait très grand plaisir. Et tout d'abord, voici le professeur Kartik. Enchanté. À sa droite se tient le non moins célèbre docteur Valandais. Et sa femme est collaboratrice, et également le professeur Sovenbach. L'éminent savant qui aide Kartik dans toutes ses recherches. Ah, je pense que vous connaissez le très célèbre journaliste. Ivan, bonsoir. Ces réceptions apportent l'occasion de prix. Allons vous présenter aux autres. Si vous voulez bien, nous... Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que Grégory viendrait avec cette petite garce? Oh, Jessica, tu sais bien que... Je croyais que tu avais compris. Mais pas d'ironie, s'il te plaît, Jacques. Ma chère Jessica, j'ai lu votre tout dernier article sur les échanges économiques de notre pays avec l'Union soviétique, plutôt réussi. Pourtant, si vous me permettez, j'aimerais faire une petite critique. Bon, ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté à la Sorbonne? Ah non, j'ai été à Moscou. Je suis resté 2 ans à Moscou. Là-bas, je me suis spécialisé en cardiologie. Tu as toujours eu la réputation d'un bon des cœurs. Il y a beaucoup à faire. Tout est à trouver en ce domaine, tu sais. Je travaille avec Kartik. Ah, dommage. Dans peu de temps, tu seras un homme célèbre, toi aussi. J'espère que non. Tibor y a remporté un grand succès. Tu m'excuses? Je t'en prie. Hey! Maudit soit le jour où je te l'ai présenté, charognard. Viens donc lui dire bonjour. Non, non, non. En ce moment, je ne suis pas apte à répondre de mes actes, tu sais. Sauf avec elle, regarde. Et elle croit qu'avec ses dollars, elle a tout à sa portée, les hommes, les sensations. En fait, elle n'a rien du tout là. Un grand vide, elle est venue avec une toute petite idée, celle de pouvoir coucher avec un communiste. Ouais. Pour raconter quand elle rentrera au ranch à toutes ses cousines, la décadence de la vieille Europe tombée aux mains de ces sales rouges. Ouais, quel manque de tact, c'est pas croyable. La musique à notre époque, mais plus tout à fait à l'âge. Je m'étonne de plus en plus que la jeunesse s'y intéresse. À... Comme je t'aime, Greg. Jessica, non. Tu sais très bien que tout est fini. J'avais oublié, c'est vrai que maintenant tu avais Mira pour te cajoler. Debout, mon vieux, allez, vite! J'ai des nouvelles intéressantes. Ouvre bien tes oreilles et laisse de côté tes amours comme j'ai laissé l'alcool. Il semblerait que Bacoche ait fait une belle chute. Oui, 20 mètres. C'est ça, Bacoche. Les flics ont été prévenus, il serait tombé de sa fenêtre, à ce qu'on dit. Ouais, on se retrouve au bar. Swift and labyrinth
Alors, le fiasco. Ce type bacoche, le suicidé, c'est pas le ministre de l'Intérieur, mais un fonctionnaire. Un petit fonctionnaire cocu des PTT. On peut tout de même pas faire passer ça pour une affaire politique, non? Quelle rigolade. Et Jason Schwartz? Et il est venu, puis il est reparti, très en colère. Je t'ai entendu pour te dire ce qu'il en était. Hey! I am sure que je connais vous, mais je me rappelle pas où. Dans Melbourne. Oh, ce gars est fabuleux. Pourquoi tu ne veux pas à ma table? Oh non, pas ce soir. Et toi? Et laisse-le tranquille, il a autre chose à faire. À demain, Greg. Toi, tu... Oh, il est superbe, son ami. Où est le téléphone, s'il vous plaît? Je reviens tout de suite. Ah, mademoiselle Natacha. C'est l'heure du marché? Ah, oh, bonjour, monsieur Moore. Je dois dire que ce matin, je suis en retard. Alors, je vous paierai demain. Oui. Ou une autre fois. Ivan, mon vieil ami, c'est bien lui, Grégory Moore. Oh, c'est pas croyable. Nous nous sommes revus il y a tout juste une semaine. Je sais, docteur, combien il est pénible de revoir un ami dans ces conditions. Curieux, il n'a pas encore de rigidité. Il y a longtemps que vous avez constaté la mort? Mais il était déjà mort quand on nous l'a amené. Ben, il y a déjà plus de 4 heures qu'il est là. Ivan, je t'en prie, aide-moi. Je dois absolument tenter quelque chose. Je vais tâcher de le ranimer. Si vraiment vous pensez devoir le faire, alors faites-le. Pour moi, c'est... Montez-le au premier étage. Oui. Rien du tout. Ils ont été formels. Ils disent qu'ils n'ont personne correspondant à ce signalement. Mais enfin, qu'a-t-il pu lui arriver? Sûrement rien de très grave. Attendons demain matin. Nous ferons tous les commissariats et les hôpitaux.
Mais rassure-toi, je suis sûre que... Et alors ? Rien. Je reviens de la morgue, heureusement, elle n'y est pas. Bon, moi, je me sers un verre. Après le spectacle que je viens de voir, j'en ai besoin. C'est quand même très curieux qu'elle n'ait pas laissé un mot. Grégory, vous ne vous étiez pas disputé. Mais non, elle n'avait aucune intention de me quitter. On a dû la forcer. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Bon, admettons que Mira ait été contrainte de s'en aller. Ça ne prouve rien. Elle connaît peut-être quelqu'un d'autre à Prague que toi. Il est possible que Mira ne soit pas celle que tu crois. Jessica, ne dis pas de sottises, tu la connais pas. Et vous ? Que savez-vous d'elle ? Bonne question, que savez-vous d'elle ? Jessica a raison. Et alors ? Ça fait bientôt plus de 2 heures qu'on fait des suppositions. On n'a même pas réussi à comprendre pourquoi elle a disparu. On discute dans le vide. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'en va pas sans raison. Rends-toi à l'évidence. Mira en a eu marre de toi et elle a décidé à l'improviste de foutre le camp. Greg, ce sont des choses qui arrivent. Mais elle est partie toute nue. Regarde ça! Toutes ces affaires sont là. Ça! Et ça aussi! Sa culotte! Ses bas! Tout est là! Comment pouvez-vous affirmer cela? Qu'est-ce qui vous incite à penser qu'elle n'a rien emporté avec elle? Le fait qu'elle n'ait pas sur sa personne à cette heure ce vêtement-ci? Ou celui-ci? Pouvez-vous certifier connaître parfaitement et dans les moindres détails la garde-robe complète de votre amie, mademoiselle Sarkov, monsieur Moore? Non, je croyais. Monsieur Moore, cette nuit, vous êtes sorti de chez vous pour rencontrer quelqu'un de très important. Et vous disiez justement avoir manqué ce rendez-vous. Oui, ce rendez-vous était bidon. On s'est servi de ce truc afin que Mira reste seule. Hé, voilà une piste à suivre. Bon, admettons. Qui vous a téléphoné hier soir? Un informateur. Il a reçu hier soir un coup de téléphone anonyme. Le commissariat doit avoir l'habitude. Commissaire, laissez-moi participer aux recherches. Monsieur Moore, nous préférons ne pas avoir de complications avec un journaliste étranger. Nous ferons le nécessaire. Soyez rassurés, surtout ne vous mêlez pas de ça. Alors, dans ce cas, commencez tout de suite à chercher. Commissaire, j'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Mira doit être retrouvée, même si elle est morte. Pourquoi dites-vous morte? J'en sais rien, comme ça. Une façon de parler, une manière de dire. Boris, ne touchez à rien et faites relever les empreintes. Bien, commissaire. Allô? Non, c'est moi, Jacques. Comment? Oui, sans vêtements. J'ai compris. On arrive, 10 petites minutes. Reste ici. Nous sommes journalistes. Allez, viens. On peut voir le corps. C'est pas elle. Il faut la rassurer sur le sort de Mira pour un temps. Je vais le dire à Jessica. Moi, pendant ce temps, je prends quelques photos. Je te laisse. Désolée que tu sois si inquiet. Maintenant, je ne vois qu'une solution, recommencer depuis le début. Elle devait bien connaître d'autres gens. Un autre homme? Non, ce n'est pas à quoi je pensais. Elle a peut-être pu rencontrer quelqu'un. Non, impossible, parce qu'on ne s'est pas quitté, sauf peut-être à la réception. Je l'ai vu avec Wolinski. Non, c'est vrai, oui. Il ne l'a pas quitté de la soirée, rappelle-toi. Oui, il l'a présenté à d'autres invités. Tu te souviens de leur nom? Non, mais je l'ai aperçu auprès de... Oh, demande à Jacques.
Bon, écoute, Jacques. Toi, tu fais une liste de toutes les personnes qui y étaient. Bon, facile à dire. Bonjour, nous voudrions voir le professeur Karting. Je vais l'avertir, monsieur. Et maintenant, regardez. Mon Dieu. Elle ressent la douleur. L'homme est responsable de sa propre ignorance. Il établit les limites de la nature. Il a fait en sorte d'ignorer que chaque chose est vivante. Sans doute pour torturer à loisir. Ainsi, impunément, il a pu torturer des milliers de fois des êtres comme celui-ci et qui ont souffert. Intéressant pour un article. Cueillir une fleur est criminel alors, professeur? Non pas, Ivan. Eh bien, le mal sont indissociables. La fleur est destinée à être offerte. Fait de même avec cet homme, je vous l'offre, vous l'accommoderez selon votre goût et vous la mangerez. Excusez-moi, professeur, deux personnes demandent à vous voir. Faites-les patienter. J'adore les surréalistes. J'avoue avoir dépensé des sommes folles pour avoir ces tableaux en ma possession. Notre très cher journaliste, puis-je être utile à quelque chose? En fait, il s'agit de Mademoiselle Sarkoff, Mira Sarkoff. Elle a disparu cette nuit d'une manière inexplicable et incroyable. De chez moi. Ah oui, elle m'a été présentée par Walinski. Je me la rappelle très bien, cette jeune fille. Greg et moi croyons qu'il doit y avoir une explication, professeur. Et nous pensions que vous nous aideriez, que vous pourriez nous éclairer. La police s'occupe de cette affaire et elle n'a pas de piste. Nous sommes venus vous demander si toutefois vous n'auriez pas remarqué quelque chose. Non, je n'ai rien remarqué. Elle et moi avons parlé musique. Nous commentions les succès que Tibor a eu à Moscou et il me semble que... Oui, elle m'a dit que très bientôt elle-même partirait pour Moscou. Tu vois, Greg, tu ignorais beaucoup de choses. Comme c'est bizarre. Jamais elle ne m'avait parlé de ça. Et pourquoi avoir laissé tous ces vêtements ici? À votre place, moi, je ne m'inquiéterai pas trop. Les femmes font souvent des caprices. Professeur, je voudrais que vous ayez raison. Aucune réaction? Non, rien. Laisse pas tomber, Ivan. Toi seul peux m'en sortir. Essayons avec le spiromate. Cet homme est cliniquement mort. Je suis certain qu'il n'y a plus rien que nous puissions faire. Ivan, tu es mon seul espoir. Non. Jamais je n'avais eu un cas pareil. Cela dépasse mon entendement. Portez-le à l'étage au dessous. Bien le faire. Non, Ivan, ne m'abandonne pas. Je dois maintenant ne compter que sur moi et mes souvenirs. Capitaine Isaac. Rien du tout. Personne ne s'appelle le Gotos. Yeah.
Vous avez des nouvelles? Certes, oui. Et la plus grande, c'est que vous vous agitez beaucoup trop. On n'aime pas ici que des étrangers se mêlent un peu trop de nos affaires. On est étrangers, c'est vrai, mais nous sommes aussi journalistes. Ce métier nous donne des droits, commissaire. Qu'avez-vous l'intention de faire? Voir toutes les personnes qui se trouvaient à cette soirée, les interroger dans le but de savoir si cette jeune fille leur a dit ses projets? Faisons ce que vous devriez faire. Commissaire, nous voulons collaborer. C'est tout juste collaborer à votre avis. Ici, à Prague, des tas de jeunes filles disparaissent chaque année. C'est le cas de toutes les grandes villes. Ceci regarde les autorités, nos deux simples journalistes, que ceci soit entendu. Et tâchez de vous en souvenir. Ce n'est pas la peine de le dire. Il est évident que notre propre enquête a quelque chose de dérangeant pour vous. Je dois vous dire que si vous insistez, vous allez devoir très bientôt être dans l'obligation de rendre des comptes à des personnes d'un haut niveau. Et, cher monsieur, vous serez peut-être alors surpris d'apprendre après cela que c'est vous que la police devra suspecter. Oui, c'est ça. Tu n'aurais pas dû le prendre de si haut. Maintenant, il ne nous laissera pas en paix. Ça, je m'en fous royalement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit à propos des jeunes filles qui auraient disparu. Je voudrais vérifier ça de près. Toi, en attendant, continue tes recherches. On se retrouvera ce soir. D'accord, Grégory. Mais je t'en prie, pas d'imprudence. Quelle adresse ? Rue Guilliane, 22. C'est moi que vous cherchez? Oui. Je voudrais consulter tous les documents de ces deux dernières années. Le change actuel est plus que valable. Rubrique nécrologique. Oui, ah, psychologue, hein. Et plus particulièrement. Les jeunes filles disparues. En cette matière, je suis un spécialiste. Oui, et même que je me rappelle de tout. C'est vrai, là-dedans, il y a des archives à faire pâlir d'envie la police. Allez-y, demandez tout ce que vous voulez savoir. Bonjour madame, je suis journaliste et j'enquête sur Marika Sequence. Il y a 2 ans déjà qu'elle a été portée disparue et je voudrais... Je ne sais rien du tout. Allez-vous-en. Vous êtes sa mère. Oui, mais tout ça c'est du passé maintenant et puis je ne veux plus parler de ça. Est-ce que c'est vrai qu'elle est partie sans rien, qu'elle était toute nue?
Sans aucun vêtement? Dis-lui, mais dis-lui! Pourquoi se taire? Vous n'êtes qu'une bande de lâches! Moi, je vais tout régler! Je n'ai rien à vous dire à ce sujet. Mais c'était votre fille ou non? Mariquette est notre fille, je ne peux pas le nier. Comme je ne peux pas expliquer la raison qui a fait qu'elle est partie. Elle l'a voulu, c'est tout. Foutez le camp! Toi, avec la chemise rouge. Tu connais le vieux là-haut? Ouais. Tu veux ce billet? Oui. Alors va lui donner ce papier. D'accord. Je suis infiniment reconnaissant pour ton aide. Sans toi, je n'aurais jamais pu trouver cet endroit. Mais voyons, ce n'est rien, Greg, c'est tout naturel. Et puis, je sais comment te convaincre de cesser ces démarches inutiles. Bon, alors vas-y, moi, je vais aller voir les chiens. Je m'appelle Moore. C'est ici qu'habitait Irina Dubjak? Oui, pourquoi? Je suis journaliste. Je fais une enquête sur plusieurs jeunes filles qui ont disparu. Une enquête? Est-ce que vous êtes jeune ou vieux? Jeune, c'est important? Pour moi, non. Il y a longtemps que la jeunesse m'a quitté. Longtemps qu'elle s'est envolée. Aujourd'hui, je suis usé, une vieille carcasse qui ne sert plus. Et Irina? Elle était encore une enfant. Une enfant dont on s'est servi. Mais qui s'en est servi? Elle vit ou bien elle est morte? Ça ne fait aucune différence. Elle n'est plus. Et vous avez quelques soupçons, non? Cette fille a servi à quelqu'un? À personne en particulier. À tous, oui. Sacrifié à des hommes qui voulaient survivre aux autres, pour conserver le pouvoir, assoiffé de sang recueillant la vie des jeunes soldats, ou des étudiants disposés à se laisser mourir, des bourreaux sanguinaires. Voilà ce que je suspecte. Je n'ai plus rien à dire. Mais je n'ai pas bien compris votre réponse. À la question, êtes-vous vieux? Non, je suis jeune. Alors, il vous reste assez de temps, je le souhaite du moins, pour comprendre.
vous en prie. Dites-moi ce que vous savez. Je vous ai dit que je ne savais rien. Je ne sais rien de ce qui se rapporte à ces disparitions. Je ne sais rien du tout. Rien du tout. Irina aimait la musique, n'est-ce pas? Oui. Comme tant de jeunes filles. A zástupci úřadu. Sjezd byl zahájen v 16 hodin 30 minut. Účastní se ho asi 5000 delegátů ze 36 zemí. Budou projednávány zejména záležitosti týkající... On t'a appelé déjà deux fois New York, j'aurais dit que t'es malade. Mais tu viendrais peut-être quand même. Ah, tu es là, je désespérais de te trouver, Greg. Salut, nouveau. J'ai réussi à parler à tous et ils ne savent rien. Tous ces jolis messieurs m'ont répété l'histoire d'un Moscou. Quelle histoire? Tu ne lui as rien dit? Il semble que Mira ait parlé de s'en aller à Moscou. À propos, et ses filles disparues, tu as du nouveau? Oui, je crois que j'ai un indice. Un vieux qui a l'air de savoir quelque chose. Rien d'autre? Une certaine chose lie les disparus. Elles avaient toutes une attirance très particulière pour la musique. Ah oui, mais tu plaisantes. J'ai beaucoup d'amis qui tous partagent mon goût pour la bouteille ou pour la bouffe ou la pipe. Mais Mira, ce que je sais, elle n'est pas vraiment une fan de musique. Non, mais il y a d'autres indices. Écoute, on est ici dans un pays, une ville qui n'est pas la nôtre. Et je conçois qu'il y ait des choses qui puissent te sembler drôles et qui en fait ne le sont pas. Mais essaie de te raisonner. Tu verras bientôt, d'ici à un mois à Londres, tu auras complètement oublié tout ça. Alors laisse tomber. Laisser tomber, tu dis? C'est pas dans mes habitudes d'abandonner. Et dans mon caractère de me forcer à lâcher quelque chose auquel j'attache de l'importance. Cela sans une explication, non, je vais aller au bout des choses. J'ai l'impression cette fois de me trouver dans un drôle de pétrin. Oh, Grégory, un conseil, fais attention à toi. Monsieur Moore, un message pour vous. Un gamin l'a apporté. C'est du vieil homme. Il me donne rendez-vous à minuit. Laisse tomber tout ça. Non, je dois y aller. Tu pourrais me mettre au courant de ce que ça signifie? Laisse-moi voir ça. Mais c'est anonyme, écoute, c'est sans doute un piège. Et puis l'endroit se trouve dans l'un des quartiers les plus malfamés de la ville. Et tu dois y aller seul. Regarde, Jacques. Je vais avec toi. Non, il faut que je fasse ce que ce vieux dit. Je vais m'y rendre seul. Je ne dois pas laisser s'envoler. Ne doivent pas. Que s'est-il passé? Que fais-tu ici? Eh bien, ce rendez-vous nocturne ne me disait rien qui vaille. T'as vu quelque chose? Rien, il faisait trop noir. Tout ce que j'ai vu, c'est que tu t'approchais de ce type-là.
Et puis le temps est passé. Vous avez disparu dans la fumée, et puis je t'ai vu courir comme un fou. Bravo, vous racontez ça au commissaire et il m'arrêtera comme le meurtrier. Greg, où est-ce que tu vas? T'occupe, laisse-moi tranquille, ne me suis pas. Greg! Le cardiaque n'a pas réagi au massage. Non, mais vous ne constatez pas de rigidité cadavérique. Il est pas rare, mon cher Bellet, qu'une certaine élasticité des tissus persiste sur un cadavre et même parfois plusieurs heures après le constat de décès. Bien sûr, sa température... La température est constante, aux alentours de 32 degrés. Et ce, malgré son séjour en salle réfrigérée. Il doit pourtant bien exister un processus d'oxydation, ne serait-ce qu'au niveau moléculaire. Et le rythme cardiaque est arrêté depuis longtemps. C'est biologiquement impossible. La médecine n'est pas une science exacte. Il reste encore de nombreux domaines obscurs et inexplorés. Nous ignorons beaucoup de choses. Tu es sur la bonne voie, Karting. Grâce à toi, je pourrais peut-être échapper à ce cauchemar. Activité respiratoire nulle. Électrocardiogramme et encéphalogramme plein. Aucun indice d'une activité quelconque. Peut-être, mais le spectre est d'un niveau supérieur à zéro. Mira. Ils l'ont tué. Ils ont comploté de faire la même chose avec moi.
Levez-vous. Sortez d'ici. J'ai le droit d'être ici. Je suis membre de ce club. Je ne vous connais pas. Sortez d'ici. Hein. Allez-vous-en. Partez. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Qui n'est pas de la maison vient d'entrer. Un étranger. Un étranger? Oui, patron, il avait des chaussures américaines. Il a fui de ce côté. Il faut le retrouver. Trouver, monsieur. Je me charge de le retrouver. Continuez les préparatifs. Bien, monsieur. Ce fouineur ne serait pas là-dedans par hasard? C'est vrai, je nourrissais une passion pour Mira. Alors je t'ai fait sortir. Je suis entré chez toi. Et puis après, je l'ai possédé. Et ensuite, je l'ai étranglé, puis je l'ai jeté dans le fleuve. Ah, puis un détail que j'oubliais. Pour ne pas être en reste, j'ai aussi tordu le cou à une sœur jumelle et à un octogénaire insatisfait. T'es content? Alors si tu veux, appelle la police et dénonce-moi. Une mesquine plus les oreilles avec ces histoires à dormir debout, ok? Oui, je crois que tu as raison. Oui, il se peut que je me fasse des idées. Alors maintenant, ne pense plus à toutes ces choses. À te reposer. Essaie d'oublier tout ça. Autrement, tu vas nous faire un infarctus. C'est bien vrai. Tu as raison. Le journal, je m'en occupe. Je renverrai un de mes articles. Ah, t'as vu Jessica ces derniers temps? Qui? Ah, Jessica, non. Elle a parcouru toute la ville à ta recherche. Hein? Oui, il faut que je réfléchisse. Je te verrai plus tard. À ta santé, vieux. J'aimerais savoir une chose. Dis-moi, tu connais un club qui s'appelle le 99? Ça te dit quelque chose? Mais bien sûr, et je te jure qu'il y règne un ennui mortel. On y trouve l'élite de la nation, des politiciens, des banquiers, des avocats, des acteurs, et puis des noceurs professionnels. Ils s'en passent des choses là-dedans. Musique. Réception, carte, tout pour plaire. Mmh. Mmh? Ouais, je vais avancer ce soir, je commence à y voir plus clair. Oh, on m'étonnerait, c'est l'heure pour toi d'aller dormir. M'inquiète, ce Grégory. C'est vous qui parliez à l'instant du club 99, dites. Et pourquoi? Qui êtes-vous? Je me nomme Plavsky. Caporal Plavsky. Bonsoir, monsieur Moore. Monsieur Moore, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai dit bonsoir, monsieur Moore.
Que fais-tu dans mon appartement? Comment es-tu entré? Je voulais t'avertir, Gray. Il y a un bonhomme qui surveille tes fenêtres. Il doit s'agir d'un flic, Jessica. Ils ont des soupçons sur toi, c'est ça? Ils n'attendent qu'un faux pas de ta part pour te coffrer. Ils veulent t'avoir. Le meurtre du vieux les a déchaînés. J'ai comme dans l'idée que c'est à toi qu'ils vont imputer ce meurtre, Greg. Pourquoi ne pas renoncer? Tu as raison, le mieux, c'est de tout arrêter. Il serait plus prudent que tu partes assez rapidement pour Londres. Si tu veux, on part tous les deux. J'ai besoin, moi aussi, d'un peu de vacances. On en reparlera un autre jour. Allez-y au maximum. Seringue. Non, 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 Ivan, Garting, ne vous arrêtez pas. Non, non, c'est pas. Je suis désolé. Un ami à vous. Nous avons passé pas mal de temps ensemble à Paris. Ivan, toi aussi tu m'abandonnes. Pour eux, je ne fais plus partie du monde des vivants. Je crois qu'il vaudrait mieux pratiquer l'autopsie. Cela ne me semble pas nécessaire. Moi, je pense que si, et peut-être que cela nous aiderait à savoir pourquoi il n'y a pas de rigidité des tissus. Oui, c'est une bonne idée. Peut-être que je pourrais la faire demain, donnant mon cours d'anatomie. Je n'arrive pas à saisir ce qui peut t'attirer dans tout ça. Je ne le vois pas très bien. Que peux-tu y trouver? Est-ce que ça satisfait ton penchant pour le morbide? Mais quitte ce pays avant d'y laisser ta peau. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu continues à te torturer pour une fille dans son genre. Qu'entends-tu par une fille dans son genre? Dis-moi de quel droit tu dis ça. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Et toi, qu'est-ce que tu sais d'elle, hein? Elle ne t'a jamais appartenu, elle appartient à d'autres gens, à un autre monde. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas repêchée dans le fleuve que ça te servira à quelque chose de la chercher dans tous les coins de la ville afin de la ramener ici chez toi de gré ou de force. Car elle n'a plus rien à foutre de toi, Greg. Tu n'as pas encore compris ça, non? Complètement barjot. On dirait que ce pauvre vieux Greg est devenu fou allié. Et je n'ai aucune envie de jouer les infirmières. Je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû te dire ça. C'est une espèce très particulière. Ils ne réussissent jamais à voler, malgré leurs très belles ailes. Tout ce qu'ils savent faire, c'est sautiller au ras du sol. Ne les laissez pas s'envoler. Greg? Jacques? Dis-moi, tu te souviens d'un dénommé Pravski?
Il m'a raconté beaucoup de choses à propos de ce club. Tu sais que tous ses membres sont recrutés à l'étranger, Paris, Londres, New York, Tokyo et partout ailleurs. Il m'a signalé des tas de choses intéressantes. Par exemple, dans ce club, on consomme énormément de fleurs. C'est drôle, hein? Et puis dans la pratique de la magie noire, le nombre 99 signifie amen, fini. Ouais, remarque, j'en sais rien. C'est peut-être une coïncidence. Non, 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 aucune coïncidence là-dedans. J'ai aussi trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé qu'entre les filles qui ont disparu et Mira, il y a un autre lien que la musique. Écoute, j'y suis. Eh bien, devant. Dans la cabine qui se trouve en face du club. C'est ça, tiens-toi bien. J'ai vu entrer un tas de gens très sélects. Oui, tous en habit. Mais il n'y a aucun concert au programme. Pourquoi on n'irait pas y jeter un coup d'œil? T'as bien toujours cette carte, non? Qu'est-ce que tu veux en faire? Non, ne bouge pas. Et non, dépêche-toi. Ce sont des papillons. Et non des chauves-souris. Jacques, où es-tu? Jacques, c'est toi? Valley swelling and bursting, spreading out money, red rain, rain of blood. Oh, why don't you let butterflies with gaily colored wings fly free in the clear skies? Yeah, why don't you let butterflies with gaily colored wings fly free in the clear skies? I thought I was dreaming, and I washed my face, and the water was as red as blood. My blood. I wanted to fly away in the clear sky, but they cut my wings. Oh, why don't you let butterflies with gaily colored wings fly free in the clear skies? J'en ai plus qu'assez de vous, de votre ami l'alcoolique. J'en ai assez de votre chasse aux sorcières, des fantômes et de ces gens qui veulent vous tuer. J'en ai vraiment assez, monsieur Moore, compris? Je sais vous droguer. Nous avons découvert en perquisitionnant chez vous une quantité assez importante de morphine. Ne niez pas. En vérité, vous et la fille en premier. Et ce soir-là, vous lui avez administré une dose excessive de ce poison. La voilà la vérité. Pour vous en sortir, je ne vois qu'une solution. Je vais vous la donner. Établissez une confession où vous direz comment les choses sont arrivées. J'y ajouterai mes conclusions. Mort accidentelle.
vous comparaîtrez au procès avec des circonstances atténuantes, je m'arrangerai. Et ensuite, vous rentrerez chez vous. Le club, les papillons, là. Il faut que j'y aille. Je suis gelé. Complètement gelé. Je veux retourner au club. Les papillons. De quoi parlez-vous ? Les papillons. Je crains fort qu'il ne délire. Peut-être devrions-nous le faire interner. Il est tout simplement fatigué. Il a juste besoin d'un peu de repos. Ne vous inquiétez pas, commissaire. Je vais m'en occuper. Greg, m'entends-tu? C'est Volinsky, ton vieil ami. Je dois y aller. C'est important. Il faut que j'y aille. Mais que dis-tu? Je n'arrive pas à saisir la moitié de ce que tu dis. Tu délires. Tes paroles n'ont aucun sens. Il faut aller te reposer. Sais-tu que je suis le directeur de ce club? On en reparlera demain matin. Il faut que j'y aille. Bien. J'ai froid. J'en peux plus. Ne t'agite pas tant. Il te faut maintenant aller dormir. Reste donc tranquille. Tu verras bientôt, tout sera clair.
considérer que cette affaire est classée. Le meurtrier de Mira Sarkov est son amant, le journaliste américain Gregory Moore. Celui-ci ayant également tué, sans doute parce qu'il avait découvert la vérité, son collègue et ami Jacques Versen. Nous avons trouvé sur les lieux du crime une cabine téléphonique, un mouchoir à ses initiales. Moore était un névropathe atteint de la maladie de la persécution. Ces derniers temps, la maladie se traduisait par une agressivité quasi sans limite. C'est sans doute parce qu'il croyait que sa maîtresse lui voulait du mal qu'il s'est ingénié à la tuer. Ensuite, pour cacher son crime, il a signalé sa disparition. Quant à son collègue Versen, il devait le supprimer parce qu'il avait découvert les preuves de sa culpabilité. Le professeur Karting a la conviction que l'autopsie révélera une lésion au cerveau qui serait responsable de l'état psychique. Refuser ce que nous aurions pu lui offrir. Nous avons été obligés de nous débarrasser d'elle. Nous lui avons administré de la morphine pour faire croire une mort accidentelle. Elle dort maintenant. Et toi, tu vas d'ici peu la rejoindre. Notre victoire, nous l'obtiendrons même malgré vous. Jamais nous ne perdrons le pouvoir. Nous représentons tous l'avenir. La force de l'avenir puisée dans le passé. Celui qui s'est dressé contre nous a été anéanti. Nous sommes les maîtres du monde. Nous puisons notre force dans l'agonie. Notre pouvoir réside dans la mort. Si l'homme se révoltait contre la mort, il pourrait nous anéantir. Il faut être vigilant. C'est pourquoi nous te tuerons. Tu seras anéanti. Découvriras ton corps, ton cadavre, devrais-je dire, car on te croira mort, mais en fait, tu ne feras que dormir. Il te sera permis de te réveiller seulement quand tu seras dans la terre. Quand tu seras dans la terre, quand tu seras dans la terre, quand tu seras dans la terre.
Écoutez les pulsations de mon cœur. Ils ont dû m'hypnotiser pour en arriver là. Mesdemoiselles, messieurs, je requiers toute votre attention pour observer ce qui va se passer au cours de cette autopsie. Je vais pratiquer une incision entre la quatrième et la cinquième côte afin de mettre à nu le muscle cardiaque. Cela demande une technique très particulière. Une technique qu'il vous sera certainement donné d'employer au cours de votre carrière sur un patient des plus vivants. Fermez, s'il vous plaît. Faites très attention, le moindre faux mouvement peut léser de façon irréparable les organes et peut causer une mort instantanée. Déterminons la zone à opérer. Suivez bien le tracé de mon crayon. Que l'on ferme les rideaux. Je vous recommande le plus grand silence et la plus grande attention, je vous en prie. Je ne tolérerai aucun écart. Nous allons commencer. Lumière, s'il vous plaît. Carting. Je vais commencer. Non. On appuie le bistouri sur la région intercostale. Puis on incise d'un coup sec, net et précis. Comme ceci.